Bonjour à tous, c'est Benaz85 et on se retrouve pour un épisode un peu particulier, en tout cas pour une vidéo particulière parce qu'on est, c'est plus ou moins l'épisode de l'épisode 0 de Lucky Cube, saison 6, hein, en effet. Alors cette fois, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler en fait, si vous voulez, du datapack en question, car je l'ai mis à jour spécialement pour cet 1.18.1, même si c'est vrai que j'ai préparé 2-3 petites options dessus qui seront présentes pour bien plus tard, et c'est parti pour la présentation. Alors tout d'abord, on va commencer d'abord pour ajouter ce datapack, hein, enfin, qui est donc le Lucky Cube World 1.2.2. Alors pourquoi Lucky World et non pas Lucky Cube tout court avec un numéro de version? Faut savoir que, parce que le datapack Lucky Cube, depuis le temps, je l'ai partagé en deux parties. Faut savoir que vous avez celui qui gère la génération de monde et celui qui va gérer toutes les recettes. Donc ça permet vraiment de gérer de manière différente ça. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on utilise également d'autres datapacks. On va commencer par celui-là, hein, voilà, donc on l'installe donc en premier. Voilà, vous verrez que j'ai mis une petite image, hein, faut savoir que c'est nouveau. On va faire le tout monde créatif, Lucky Cube 1.18, et c'est parti. Ah, et on commence d'ailleurs par une première modification, voilà, d'une nouveauté de cette mise à jour là. Vous voyez, ça tombe bien justement. On vient juste de spawner devant, voilà, c'est ça. Vous voyez, les igloos sont différents. Ils sont tous, regardez, je crois qu'on a d'ailleurs un petit. Je vais voir où est-ce qu'il est. Regardez. Oui, nous utilisons d'ailleurs, voilà, si on va vous présenter, voilà, vous connaissez déjà le bruit, voilà, c'est une nouveauté. On tombe directement dessus, voilà, c'est ça, c'est l'illusionneur, voilà, ça y est. Enfin, l'illusionniste plutôt, enfin, voilà, qu'on utilise directement pour ce. Voilà, et vous avez donc. Voici donc tout ce qu'il y a de disponible sur le datapack. Voilà, vous avez toutes les. Tous les programmes, enfin, en tout cas, toutes les fonctions, voilà, qui vous sont présentes sur le datapack. Et notamment cette fonctionnalité qui est vraiment la nouveauté de ce Lucky Cube. Vous allez voir que l'igloo est très différent. On peut voir ici, bon, là, il a spawné comme ça, voir que normalement il y a des torches, etc. Voilà, oui, voilà, il nous dit bonjour. Alors bon, là, elle est apparue un peu de manière crade, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mais regardez, hein, il est sympa comme ça. Notre illusionniste. Et bah regardez, regardez, il est différent maintenant. Alors, est-ce qu'il a droppé? Non, il a pas droppé, dommage. Bon, en tout cas, voilà, hein, c'est différent. Et surtout, vous allez voir que le sol est différent aussi, vous allez voir. Normalement, ici, c'est des blocs de neige, regardez. Et maintenant, vous pouvez accéder. Voilà, la trappe, pareil, est différente. Bon, évidemment, ça, c'est la génération qui fait ça. Mais évidemment, vous avez. Alors, le en dessous. Ah oui, est-ce que c'est différent? Alors, la réponse, c'est absolument pas. Hein, voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez que ça ne change absolument pas. Vous voyez, on vient d'atterrir dans la, hop, dans la base. Vous voyez qu'elle n'a pas changé, c'est toujours les mêmes personnages avec le même contenu de coffre. Et ça, c'est pareil, ça ne change absolument pas. Ah, d'ailleurs, pour une petite raison, je vous sache que le barrel est vide, hein, par défaut. Donc pas la peine d'essayer. Autrement dit, vous devrez taper l'illusionneur, l'illusionniste, pour justement avoir du loot. Alors pour l'instant, il ne l'a pas montré ce qu'il fait. Je cherchais d'ailleurs un village. Et non, vous allez voir que les modifications qu'il y a déjà d'origine, c'est parti. Une des nouveautés de cette mise à jour, ça concerne la météo, enfin concernant justement l'utilisation des tridents. Voilà, avec, mais surtout également, c'est tout pour les chevaux. Vous allez voir une petite démonstration. Mais ça fera pas de mal. Ah, évidemment raté. C'est parti. Allez. Voilà. Petite démonstration également. Voilà ici comme on obtient notre nouveau le canasson zombie. Voilà. Voilà, une nouvelle démonstration ne serait pas de refus, évidemment, hein, voilà, évidemment, vous connaissez le principe avec ça, c'est bon. Voilà, excusez-moi, hein, voilà, on passe directement à la suite, hein. Alors pourquoi il a justement une résistance au feu? Parce que sinon il meurt directement, hein, si jamais vous avez le, voilà, hein. Alors on va passer directement à un village. Est-ce que c'est un village de plaine qui est là-bas? Si oui ou non, on continue. Alors évidemment, le truc qui n'a pas changé, c'est évidemment la génération des villages, hein. Vous pouvez voir, enfin, un truc que vous connaissez que déjà d'origine, c'est la génération des villages, voilà, des villageois qui n'a pas changé, enfin, qui a été légèrement mise à jour dans cette version, mais surtout qui est ici. Vous pouvez voir ici, vous avez un village entièrement modélisé grâce au datapack. Mais excusez-moi, on va juste dégage. S'il veut bien dégager notre ami zombie, attendez. Voilà, merci. Le temps de, voilà, de vous montrer le village, à quoi ressemble le village des plaines qui a été entièrement modifié, hein. Alors, en assurant de... Alors, par contre, vous pouvez voir que malheureusement, les villageois, se fait attaquer, un peu dommage malheureusement. Vous pouvez voir que les champs ont été modifiés, vous voyez, il y a ça. Alors, pour pouvoir en mis ça, parce que c'est pour que ce soit optimisé également ça, parce que c'est pour qu'on puisse accéder et voir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez voir également l'église, c'est qu'on ne devait pas montrer, regardez l'église. C'est une modification de l'église, je rappelle qu'il y a, voilà, un circuit de redstone à l'intérieur, hein, également, qui a été modifié également. Alors également, je suis apprécié aussi que ces bâtiments-là, qui avaient notamment du loot à l'intérieur, ont été modifiés, ça se voit, hein, littéralement. On peut voir que le loot est, voilà, il est aléatoire, je tiens à préciser, c'est pas toujours le même, hein. Voilà, on sait jamais, parce que ça...
Là c'est pareil, un des bâtiments que j'ai modifié c'était bien sûr celui-là. C'est parfait, il y a tous les bâtiments modifiés. Notamment celui-là, je rappelle que vous avez voilà un coffre et surtout vous avez un CM Redstone au-dessus hein, avec, si j'arrive à monter, excusez-moi, voilà, un petit bouclier au-dessus. Voilà, je vous petit rappel hein, voilà, de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors également, je tiens à rappeler que il y a également une fameuse, le sommet réparateur, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est, si jamais vous avez un peu trop de dégâts, ça vous permet de survivre également hein, je vois que vous. D'accord, oui, décidément, hein, je rappelle que hein, les chevaux peuvent être transformés, regardez, on fait une nouvelle démonstration. Ça marche vraiment avec n'importe quel type de cheval, hein, ça, je tiens à préciser quand même. Alors les petits ne sont pas transformés, je tiens à préciser quand même, on sait jamais, hein. Voilà, si jamais, les petits ne peuvent pas être transformés en cheval zombie, hein, on sait jamais, je préfère le préciser quand même là-dessus. Ah oui d'ailleurs, pour terminer également cette petite vidéo de démonstration, je tiens à rappeler que pour obtenir de l'XP, vous devez faire cette structure là. Hein, voilà, je rappelle que c'est précisé dans voilà, les progrès. Voilà, vous avez donc, je rappelle donc les fonctions, vous avez donc l'illusionniste dans les igloos comme vous avez pu le voir. Hein, le cheval plus son mal zombie. Hein, le killer bunny évidemment. Cette fois vous devez donner une simple patate empoisonnée à un lapin et vous obtenez le. Voilà le killer zombie. Je vous ferme du monde. Ensuite vous avez bien sûr le semi-réparateur que vous connaissez, hein, voilà. Hein. Bref, n'hésitez pas, faudra pas hésiter, voilà, pour tous les nouveaux joueurs de Lucky Cube à consulter, voilà, la liste des advancements dans le datapack, tandis que le soleil se couche. Moi, je vais vous laisser là-dessus, hein, avec peut-être une dernière démonstration, peut-être avec le Killer Bunny. Hop, je prends une patate empoisonnée, vous allez voir que c'est assez rigolo de leur donner une patate à un lapin. Alors, c'est Rabbit, que je dise pas de bêtises. Oh, c'est Rabbit. Hop, vous allez voir que je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà, allez, sur ce je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao. Mais, viens là toi. Aïe. Mais bordel, il est chiant ce lapin. Aïe, mais viens là. Viens là. Viens là. Allez, ciao.